Tovitosi, Gunokan a se mandawa. Edo bibio do kudo pou mitan lewe dodo mechi, mede kun wak pebo na chi yao, mede kun ka wak peba senato ya nao. Le ni tekun, bo sebo do emi ou, do 94, 85, 37, 90. Mi do wobe, ta yo vokon, mi na ki je gbedo pou mitan kon, lo tou kanou mi, bo mi ze ka kanalido, mi ze kwa konalido, ta jo mi me do to gudo. Bonjour la famille, bonjour tous mes fans, je vous dis merci pour vos différents accompagnements. Avant d'aborder mon sujet d'aujourd'hui, je vais saluer le président de la République du Bénin et qui a compris que avant, notre justice était menacée, manigancée par ceux qui ont des moyens. Et quand tu es un pauvre et tu as quelque chose avec un riche, arrivé là-bas, c'est le riche qui s'en sort. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est plus ça. Je ne parle pas de justice politique, donc je parle de justice citoyenne. Je profite pour dire merci à tous ces juges, à tous ces procureurs qui font un travail impeccable. Je ne veux pas aller côté politique parce que côté politique, c'est autre chose. Dadondo, je suis là. Je vous dis tout simplement que je vais vous proposer quelqu'un. Et cette personne, il est guérisseur traditionnel. Et tout ce qui concerne la sorcellerie, il est prêt à vous aider à s'en sortir de vos difficultés et de la sorcellerie. Toi qui as quitté le Bénin pour aller dans un autre pays pour se chercher, ça ne va plus. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que tu peux contacter Runongan Zemadawa. Il est au Bénin ici. Il est à Wome, chez Dayovo, son numéro c'est 94-85-37-90. Bon, bref, aujourd'hui, nous avons constaté que il y a un reportage qui circule sur la toile, sur les réseaux sociaux, et nous avons constaté que dans ce reportage, ils ont mélangé les choses. Ils ont mélangé les choses juste pour faire croire. Ceux qui ont quitté Gbaname et ceux qui font un combat dur pour que cet Dieu cesse de faire la naque de la population pour leur faire croire que ça va et ça doit aller et elle est toujours Dieu. Et cette vidéo, nous sommes tous des lettrés. Nous sommes des lettrés. Nous comprenons très bien. Aujourd'hui, on sait comment faire les copier-coller, les collages. Nous savons tous que nous pouvons aller chercher des vidéos, des anciennes vidéos et coller à une autre vidéo. Avant la mission de Bonamé, quand ils veulent faire leur truc de soji là, martial tout et rond là, ça remplit. 2017-2018, ça remplit. Il y a du monde. Mais depuis quelques 2019, ce n'est plus le cas. Mais nous sommes surpris d'avoir ce reportage où on a encore vu des milliers de personnes et quelque part on a constaté que
y a foulard bleu ciel. De l'autre côté, il y a foulard bleu. Et on a constaté que de l'autre côté, il y a parasol. De ce côté, il n'y a pas parasol. Nous nous avons dit, mais où est-ce qu'ils ont cherché ces vidéos? Vous savez, tout un peuple ne peut pas être bête. Et on ne trahit pas tout un peuple. Jamais. Si tu veux trahir tout un peuple, le peuple te trahira. Et n'oubliez pas que quand les Béninois regardent, ils ne regardent pas seulement avec les yeux physiques, hein. Ils regardent tout spirituellement. Et ils regardent tout. Et ils voient tout ce qui se fait. Et ils se disent, Dieu de Bonhomme est parfait, Dagbo, Vicencia, je vais vous dire tout simplement que c'est un dieu, une dieu qui est matérialiste. Elle aime trop l'argent et il ne fait que cotiser, cérémonie, cotiser, cérémonie. Ça veut dire que dans une mission où elle se dit Dieu, on fait plus de cérémonie que la prière. Ça veut dire que elle est en train de rejouer les roulons, les bocanons, les marabouts. Surtout les marabouts. Et ce que j'ai pas compris, c'est que je me pose la question, est-ce que Modjenanon, que Dieu qui s'ouvre les yeux spirituels ouvre les yeux de ceux qui continuent de se perdre. Oui, permettez-moi de dire de se perdre parce que on a compris finalement que ce Dieu ne connaît rien que la richesse, devenir riche, conduit de grosses caisses. Or que tes fidèles ne trouvent rien. Il y a des fidèles parmi toi, parmi tes fidèles. Ils viennent donner l'argent de cérémonie et repart dormir, affamé, sans manger et ils dorment. Il y a des gens qui ont besoin de 20 000 francs pour commencer un petit commerce. Donc, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait de concret pour nous montrer, nous qui ne la croyons pas, qu'elle est Dieu. Oui, disons ça. Je vais profiter de l'occasion pour dire, l'Afrique ne peut jamais évoluer. Je continue de le dire dans toutes mes vidéos pendant 2 semaines. Vous savez, il faut que nous prions pour que Dieu nous donne notre bonheur par la bonne voie. Des fois, ça prend par une voie qui n'est pas bonne. Et Dieu même dit, mais je ne peux pas laisser mon fils perdre et retourner. J'ai une société qu'on appelle Yavon Orientation où j'oriente, je fais l'orientation immobilière. J'oriente les gens vers les bonnes sociétés qui sont crédibles où j'aide les gens à trouver de bonnes parcelles bien situées avec TF et tout. Mais j'ai trouvé une cliente qui veut me créer tous les problèmes de ce monde. Quelqu'un qui est resté à l'est que tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Ça, c'est un témoignage que je suis en train de passer pour que vous me donniez votre avis. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu as resté à l'est, tu lui as envoyé 7 millions.
et tout ce que tu as demandé, et ce dernier l'a fait. Tu as demandé parcelle, il a acheté, tu as demandé les moulins, il a acheté, tu as demandé les états, il a acheté. Et dans ces 7 millions-là, la personne a gagné quelque chose de 400 000 sur les 7 millions. Et cette cliente devient très nerveuse. Les gens qui ne veulent pas que leur prochain évolue, ils sont rentrés dedans. Et ils veulent me soustraire bénéfice de 500 000, 400 000 que j'ai gagné sur 7 millions. On veut me soustraire ça, on veut me prendre ça de ma société, il y a vos orientations. Dans cette affaire, j'ai laissé tout à Dieu parce que le Wabiwe, alors on voit. Que Dieu nous donne des gens qui vont nous aider sur la bonne voie. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous bénisse. Je ne fais même pas accuser ma cliente parce qu'elle n'est pas au pays. Donc tout ce qu'on lui racontait sur moi, elle croyait ça. Mais la finalité des choses, elle a compris que c'était pas le cas. L'Afrique, on ne peut jamais évoluer. Quand tu vois ton prochain évoluer, il faut l'aider à évoluer. Parce que quand lui va évoluer, il va aider d'autres à évoluer. Bref, donc, cette vidéo qui circule, je vais dire tout simplement que c'est un montage que on n'est plus à présenter. On n'est plus à présenter, mais je n'accuse pas cet organe. Je n'accuse pas cet organe de presse parce que lui, il a fait son job. Comme Dadon doit aussi faire son job. Donc, mais quand on veut faire certains jobs-là, on essaie de voir est-ce que c'est qu'il faut voir les contours. Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Vidéo. Et toutes les vidéos n'ont pas la même couleur. L'autre a une autre couleur, l'autre a une autre couleur, et puis tout est mélangé. Il y a des gens qui ne sont plus à Guanamela depuis 2019. Ceux-là sont retrouvés dans cette vidéo. Vous voyez que c'est trop fort, non? C'est trop fort. Diagbangbati, c'est trop fort, quoi. C'est mal fait. Parce que ceux-là qui ne sont plus, qui ont quitté, qui ont plus compris, il n'a pas Dieu à Guanamela, qui ont déjà quitté depuis 2019, ils se sont retrouvés dans une vidéo. Et dans la vidéo, on montre que ça existe toujours. Et puis, les gens sont prêts. Bon, Soji, bon, est-ce que vous avez jamais entendu que Dieu souvient ou même Krabana Toto, les célestes font de la publicité? Non. Est-ce que vous avez jamais entendu que catholique fait de la publicité autour de son église? Jamais. Les protestants? Jamais. Les musulmans? Jamais. Dans l'autre côté des marabouts là, des rounds là, des romanciens et autres là, eux ils le font parce que ils étaient sous compte. De leur côté aussi, il y a le vrai et il y a le faux. Et nous savons que dans toute chose, il doit avoir le vrai et il doit avoir le faux. Parce que c'est en achetant le faux que YouTube va tomber sur le vrai. Dadon, je suis de cœur avec tout le monde. Je suis toujours à votre disposition pour tout ce que vous allez nous commander. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous voulez avoir des parcelles ici au Bénin, contactez le 96 53 20 94. Et aujourd'hui, vous voyez avec les réformes de notre président de la République en matière d'immobilier, je pense qu'acheter parcelle maintenant, il n'y a plus peur.
On n'a plus peur parce qu'on sait que avec la NDF, tout finit par se comprendre. S'il y a des magouilles, mais il n'y a plus de magouilles parce que allez dans nos tribunaux, vous allez constater que c'est les anciens dossiers qu'on traite maintenant. Il n'y a plus de nouvelles litiges qui viennent. Donc, la soirée, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais aussi exhorter tous les fans, tous les amis du président de la République d'essayer de voir le cas de Sébastien Germain à Javon, de voir le cas de Ricky Amadougou, de voir le cas de Joël Aivor, parce que ils sont des citoyens, nul n'est infaillible. Tout peut arriver à tout moment. De voir comment le président peut les gracier. Parce que la fête s'approche déjà. En tout cas, que les bénédictions soient. C'était le chronique de Dadondo par rapport au montage mensonger de cette émission de Baname qui fait croire aux gens que maintenant pour le coup d'automne, il vous y en a pour moi. Rien n'est là.